Nous sommes venus ici voir l'évolution de construction du pont que nous venons de jeter ici. Et nous avons constaté qu'on a fini le pont qui a réussi avec succès. Et maintenant, l'étape qui reste, c'est juste de refaire la route sur cette partie. Et je crois que dans les 2 semaines qui suivent, nous pourrons facilement inaugurer le pont. Le gouvernement provincial a la volonté ferme de travailler pour la population haut-katangaise. Et je le répète encore une fois, il faut que la population s'approprie ce genre de projet et que la population prenne conscience en payant l'impôt foncier ainsi que les autres taxes qu'ils doivent payer. Pour nous, c'est une façon de justifier l'usage de l'argent que nous recevons de la population.